Salut Loulou. Moi c'est Mel. Et moi c'est Ben. Et bienvenue sur notre chaîne Tic et Tac. Les aventuriers. Toujours en Thaïlande. Exactement, à Bangkok. La météo, Mel. On se retrouve pour notre cinquième vidéo. Aujourd'hui, vlog numéro 5. Nous sommes le 8 mars. Il est 7h22 et nous sommes sur un petit 29 degrés le matin. Voilà. À 7h, c'est normal. C'est agréable. Là c'est agréable. J'ai presque l'impression qu'il fait doux. Alors en fait, on a décidé aujourd'hui de se lever un peu plus tôt. Bah non, dans tous les cas, on est levé. Mais de partir tôt parce que l'autre coup, on a voulu faire un temple à midi. Trop chaud. Quelle erreur. Trop chaud, en pleine canicule à 45 degrés. Oui. Même l'eau qui est distribuée, elle était chaude. Non, je crois qu'en moment de haute chaleur, le plus sympa, c'est la piscine. Bien dormi, même toi? Ouais. On a la gueule dans le cul, moi. Bien fatigué. Je galère avec le décalage horaire, je me réveille assez tôt, on va dire. Mais ça va. Alors déjà, avant de commencer cette vidéo, on voulait dire un grand merci à notre tipeuse du jour qui est donc Cécile 8800. Vraiment, merci beaucoup pour ton geste, c'est adorable. Ouais, merci, on ne manquera pas de t'envoyer donc une jolie carte postale de Bangkok. Et ça tombe bien, on a vu la poste passer hier, donc c'est que la poste passe. Voilà, si vous voulez voir les vlogs de hier et voir les suivants, surtout n'hésitez pas également à vous abonner. Déjà, petit, t'es perdu toi. Moi je suis encore dans le gaz. Ouais, non, je vois Ben, il dit rien. J'ai des petits yeux et tout. Il est pas comme ça d'habitude. Hein. Alors non, il est pire. On a pris, on a pris petit déj au 7-Eleven. Le fameux croque, 38 bahts. Hein, un petit croque. Vous voyez, épinard. Juste au hasard, c'est l'épinard. Ouais, moi j'aime bien parce qu'en fait là, c'est pas du pain, c'est du croissant. On a pris un petit café. Et Mel a pris un petit. Un petit jus d'orange. Moi je pense que là, vraiment. C'est dur de trouver des jus qui sont relativement bons et si vous venez en Thaïlande, je vous conseille de prendre celui-ci. Il est vraiment très très bon et il coûte donc 13 bahts. Ou sinon, hein, j'ai filmé devant, vous avez des fruits, vous avez des petites brochettes dès le matin, une petite brochette, il a du riz à côté. En Thaïlande, vous pouvez manger n'importe quand, n'importe l'heure, n'importe quoi. Clairement. Donc dans l'idée, c'est génial. Bon, bah, on prend le petit déj et puis on appelle un petit grab et on va direction un temple ce matin. Ouais. Qui s'appelle? Je ne sais plus. On vous lit le Siri Suruk. Non. Attends, le Wat. Wat Sak. Ah, saké, saké. Pourquoi j'ai oublié moi aussi? C'est un truc comme c'est ça. Le non, c'est pas du saké, c'est du saket. Alors attendez. Non, c'est ça, le Wat Saket. S-A-K-E-T. Voilà, Wat qui veut dire temple. Donc. En Thaïlande. Donc le temple de la montagne d'or. Waouh. Allez, c'est parti. Petit déj et let's go. Bon, petit allez. Déjeuner, ok. Par contre, le café ici, ah, il est fort. Faut s'accrocher. Moi, j'ai bu deux gorgées, j'ai l'impression que je me suis pris. C'était un peu fatigué, ça. Ah ouais, ça remue un peu. Hein, maintenant, trouver un taxi. Donc, on va directement essayer de l'attraper. Vu que c'est le matin, il y a un peu moins de monde. On a regardé le prix sur Grab, donc on sait les tarifs. 150, il demande Grab là. Donc là, a priori, il y a 30 minutes de route là pour y aller. Moins que fin de journée ou en pleine journée. Ah bah, on est plutôt dans les 45. Il y a moins de bouchons aussi. On voulait vous dire aussi, restez bien connectés jusqu'à la fin de la vidéo parce que ce soir on vous emmène en croisière. Ça va être cool. On l'a booké il y a deux jours. Ouais. Normalement ça va être un super bateau. On vous en dit plus quand on arrive au soir. Coucou les parents. Coucou tout le monde, comment allez-vous ce matin? Nous, c'est... Le papa il dit bonjour avec un billet dans la main. Ça c'est pour exciter tout le monde, tu vois. C'est pour payer le taxi. Ça va aujourd'hui? Ça va, on a mal dormi mais ça va. Ça va aller. On va se réveiller tranquillement. Alors on va où? On va visiter des temples ce matin, deux. Un. Un ou deux. Un ou deux. Alors le premier, je sais pas. Il s'appelle Wat Saket. Wat Saket. Et le deuxième, c'est le... Le Bouddha couché. Wat Po, ouais. Wat Po. Donc ça, selon l'énergie, selon la chaleur aussi. Ça aussi. Donc là, on a pris un grab finalement, parce qu'on a essayé d'avoir un taxi en négociant un petit peu. Mais c'est le double du tarif. De quoi, Mel? C'est le double du tarif Grab. Ah oui, il nous demandait 300 au lieu de 150 quoi. Donc on dit bah non en fait, on va pas prendre le double. Donc bah voilà, on est dans le petit taxi direction Wat Saket. She want me to lock it down but I told her to pass the key. You gotta slow it down girl, you moving too fast for me. Nobody did it like this so they wanted they asking me.
bien et arrivé, voilà, bien arrivé. Après 30 minutes de route, il était motivé. Tonique. Ouais, j'ai serré les dents et pas que les dents d'ailleurs. Vache. Mais ça roule mais deux fois mieux que hier soir, que dans la vidéo précédente. Donc, quand on est allé à Chinatown. Partez tôt le matin, il fait beaucoup moins chaud. Oh, le soleil dans la tête. Attends. Ça y est, il arrive. Ah, écoutez. J'aime bien. Oh, c'est joli, c'est mignon. Joli. C'est... Donc, à Watsaket, à proximité, donc après on ira comme dit à l'autre temple Wat normalement. Pour. Là, il n'y a pas grand monde, hein. C'est vraiment calme, mais calme. C'est trop cool. Ouais, bon, on va voir tout on ça. On se prépare parce que Mel, regardez les épaules, ça va pas ça. Hein. Ah oui, pour les temples, il faut toujours jambes couvertes. Ouais, épaules couvertes, ventre couvert. Voilà, ventre couvert. Enfin, mais j'ai pris un gilet, donc je vais mettre mon gilet. Et puis, bah, bien sûr, comme d'habitude, on vous donne le prix, puis on vous dit ce qu'il faut respecter au cas où. J'espère qu'on va avoir une bouteille d'eau tiède ce coup-ci. Arrête. She want me to lock it down, but I told her to pass the key. You gotta slow it down, girl, you move it too fast for me. Nobody did it like this, so they wonder, they asking me if I could slow it down. Alors, c'est combien le prix, ma petite Mel? 100 bahts par personne, donc c'est plus ou moins 2,50€. Vous mettrez à chaque fois la bonne... Oui, on arrête de vous dire en euros parce qu'on dit que des bêtises. C'est pas le bon taux de change, ça change selon ce qu'on échange en argent en fait. Voilà, donc on vous le dit en réel, je vous le remets en texte en dessous. Le vrai prix à chaque fois. Donc maintenant on parle uniquement en bahts et j'écris en dessous normalement, si j'oublie pas. Et donc, combien de marches? 344 marches, vous y accédez. Ouais. C'est là-haut. Oui, une bouteille d'eau offerte avec le ticket et également c'est ouvert de 7h30 le matin à 7h le soir. Voilà, voilà. Maintenant, faut monter. C'est vraiment très joli. Magnifique, vraiment magnifique. Ouais. Et une ambiance très particulière. Il y a des brumisateurs partout. Désolé pour... les prières en même temps. Il y a les prières, ouais. C'est hyper dépaysant. C'est, j'ai pas les mots, vraiment. On se croirait pas à Bangkok. J'adore. Ouais, très agréable. Très, très beau. Bon, allez, c'est parti pour les 340 marches. Pour l'instant, elles sont comme ça, hein, ça va. Petit bracelet, oui, on nous a offert un petit bracelet. Parce qu'on l'avait pas eu au Wataun, mes parents l'ont eu, mais pas nous, ils étaient pas là les moines. Pour la famille. Lady, servez-vous pour toute la famille. C'est offert, c'est offert. Par contre, lorsque vous rentrez dans un temple, il faut enlever les chaussures. Toujours. Il y a des gens qui sont rentrés sans enlever les chaussures. Ah oui. Ça m'énerve. Ça arrive. Bon, c'est pas grave, faut le savoir en même temps. C'est marqué. Hein. Oui, et ça dit là, écoute. Qui pioche chose. Oui, c'est marqué. C'est et marqué. Il y a un truc qui parle pour le dire. Bon et bah. Vraiment, j'adore. Magnifique. Super, en plus, super. Il y a une vue, mais à 360, vous avez toute la ville autour. Et il y a personne. C'est, et il y a personne. Donc au top, au top. Ouais. Bon plan. Et voilà, on arrive à la fin de la petite visite. Tu t'es brossé la joue. Ah, c'est au cas où. Ah, il fait chaud. Alors, venir tôt, c'est quand même une bonne option. Ouais. Je
je pense qu'on a... Là, il faisait moins chaud que le temps qu'on a fait hier. J'ai mis ma gourde, quoi. Punaise, ouais, c'est clair. Comment je fais. Et je l'avais dit, hein. Bouteille d'eau tiède. Et vu qu'il fait un peu tiède. Moins chaud, elle est un peu moins tiède. Ouais. Je suis déçu. À mon avis, à midi, elle sera chaude, ouais, c'est non, ça. Franchement, c'est un bel endroit à faire. Vraiment un bel endroit à faire. Moi, je vous le conseille. Ouais, moi aussi. Vraiment, il est un peu moins connu que magnifique les autres. Vue. Mais très, très bien. Après, là, il est en réparation, donc il n'y a pas la pointe dorée. Oui. Je pense qu'avec la pointe dorée, c'est encore plus joli, mais ça vaut le coup comme ça. En fait, il n'y a pas que le temple en soi, il y a tout le décor autour, tous les alentours, la nature. Oh, j'adore cet oiseau. Celui-ci qui fait bruit là, c'est mon pote, lui. Je l'adore. Oui, c'est ton pote parce qu'il chante la journée. 14, on arrive à quelle heure? Quelle heure que j'avais dit? 8h. Vous vous souvenez? 8h et quelques. Ouais, ça fait une heure. On a fait une heure pour faire la visite. Bah écoute, cool. Tranquille ou milou, hein. On a pas speedé, on a pris notre temps, hein. Bah moi je boitouille un peu, donc ils m'attendent. Ouais, c'est ça, l'handicapé. Les parents, ça va? On a chaud. Puis c'est... Ça va. Chaud, mais ça va. Chaud, hein. Il fait chaud. Il fait vraiment chaud. Bon, en ce moment, ils annoncent canicule, de toute façon. Donc forcément, bah... C'est ça. Bon, plus tard. Là. Ah, qu'est-ce qu'on va faire de beau? Après réflexion, on préfère sortir un petit peu du classico. Touristique classico. Donc, on va pas faire le Wadpo. Le Wadpo, c'est le grand Bouddha couché. Alors, l'entrée, je crois que c'est 220 par personne. C'est ça. Donc, on vous donne l'info. Il est à 10 minutes de celui-ci. Mais il y a le marché aux fleurs et aux agrumes qui est juste qui à côté. Est à 10 minutes. Bon, là, l'entrée est gratuite. Donc, je pense qu'on va plutôt aller là voir le marché aux fleurs et aux agrumes qui peut être aussi très très sympa. Et je pense que si vous voulez faire le Wadpo, pareil, il faut y aller très tôt parce que là, on voit même ici, ça commence à venir assez fort quoi. Voilà. Donc, marché aux fleurs? Direction marché aux fleurs! I be fly like I live in the cockpit. Mess around with the money, get drop kick. Only one in the city to pop quick. Never cared about being your top 10. Got a house in the hills, can you top this? I came from where them boys leave you topless. And get crazy around here. Ah, tu me donnes la tourniquette. Et voilà, bien arrivé au marché aux fleurs. Rien que sur le trottoir, ça sent déjà super bon. Ouais, nous on a galéré pour le grade, il n'est pas au bon point. Ah ouais, ouais, on a dû marcher. Ça nous a coûté 100 bahts le trajet. 112, ouais. 112, voilà, 112. Exactement, pardon, c'est important. Marché aux fleurs et aux agrumes. Ça sent bon. Donc on va se promener, se perdre dans le marché, tranquillement. Ouais. On prend notre temps, hein. On vous montre tout ça. Super bon, c'est vrai. Non. Et vous vous souvenez, on vous avait dit dans la première vidéo, attends, on montre les longbines. Oui, ce qu'il y avait dans le premier Green Curry ou le pain de langue, je sais plus. Que bah, c'était c'est ça, des... en fait. J'avais dit les doigts de sorcière. Les gros haricots verts. C'est ça en fait. Hi, ça va tout grave. Longbines. Voilà. C'est ça. T'as vu, elle confirme, madame. Ouais, ouais. Bien raison. C'est super bon. C'est vraiment très joli. Alors, les légumes ici sont ils sont dans une grandeur de l'extrême. Les quantités de les tout, de piment. Font la taille là. Et puis il y en a des tout petits tout mignons à côté. Oui, enfin, les petits oignons, ils ont les oignons énormes quoi. Ils ont vraiment un choix. Malade. Un choix vraiment gigantesque. Non, on dirait des gens qui n'ont jamais vu des légumes. Mais je pense qu'il y a beaucoup de restos qui viennent se fournir même si c'est pas cuisiné, dans des marchés comme ça. Ah ouais, les odeurs, c'est la violence. Ah j'adore. Attention, les voitures. Entre les mélanges de fleurs et de poireaux, vraiment, c'est pas mal. Hein. Ah ouais. Bon, allez. Bon, bah, on finit de se promener, puis on va rentrer tranquillement à l'hôtel. Et puis on... Est-ce qu'on conseille? Ah ouais, c'est sympa. Moi, je conseille. Ouais, ouais. Surtout si vous prenez un appart hein, et que vous avez une cuisine, vous pouvez venir chercher pour faire à manger. Terrible. Oui, alors ici, c'est super, ouais. Bon, allez. À tout à l'heure. All of my ops get to stepping. Know how long I have prayed for these blessings. Took my L's and turned them to lessons. I go take it, I'm not in the begging. If I'm breaking bread, it's only with the brethren. I need the top, cause that's where I'm heading. Yeah, she want me to lock it down, but I told her to pass the key. C'est parti en voiture, on a encore un gros pick-up. Ça va, Mel? Oui, c'est trop bien, j'attends les voitures comme ça, c'est génial. Ah ouais. Ah, celui-là, il envoie. Hein. Le retour, 150.
4, je crois. Glow Hotel. Ça va les parents? Ça va bien. Ouais, ça va. Bon, allez, on avait dit qu'on vous appellerait Jojo et Cricri maintenant. Oui, Jojo et Cricri, je suis. Parce que, Cricri, voilà. Va bien. Oui, cool. Et Jojo, pareil. Vous avez bien aimé le marché aux fleurs? Oh, très bien. C'est sympa, magnifique, hein. Puis ça sent super bon. Quoi. C'est assez dingue. Hein. Et puis le fait de fabriquer. Et ils fabriquent sur place, ouais, les petits. C'est impressionnant. C'est ouf. C'est clair. C'est phénoménal. Ouais, c'est clair. C'est. Sur notre chapeau. Hein, parce bon, que... bah, direction l'hôtel. L'hôtel. Ouais. Nobody did it like this, so they wonder, they asking me if I can slow it down, cause it's coming too fast for me. I came up from the bottom, now look at me now, they mad at me. I cannot slow it down, cause it's coming too fast. Et voilà, bien rentré. Petit tour à la piscine, ça fait ouais, du bien. Ouais, tranquille. L'eau est super chaude. Si vous voulez voir la piscine de notre hôtel, n'hésitez pas à aller voir dans les vidéos précédentes, elle est vraiment très chaude, effectivement. Par contre, il n'y a pas de parasol et tout, donc... Il y a 4 transats. C'est un peu léger, c'est pas grave. On a eu de la place. Là, il est 12h40, on a abandonné les parents, bah, on s'est tous abandonnés. Chacun fait ce qu'il veut jusqu'à fin de journée, c'est quartier libre. Jusqu'à la croisière. Chacun de notre côté. Mais bien évidemment, ils ont pour mission de filmer leur repas. Bien sûr, bien sûr. Ah, ils ont bien révisé. Dites-nous si ça vous plaît en commentaire d'avoir les parents qui montrent leur repas. Ça nous intéresse en effet, ouais. Du coup, ça vous fait 2 repas pour le prix d'un. Nous on va chercher un petit resto pour manger, on a envie d'un truc local, curry. C'est bah, ça, voilà. Un bon curry moi j'ai un envie. Un bon petit panang moi. Allez, on va sur la droite. Allez, c'est parti. Attention. Nobody did it like this, so they wonder, they asking me if I could slow it down, cause it's coming too fast. Et voilà. Et voilà notre resto du midi, je pense qu'on va s'arrêter là. Bah oui, oui, parce qu'en fait, finalement, c'est que des restaurants indiens autour de notre quartier. Indiens ou genre arabes, marocains, avec des tagines et tout ça. Vous voulez manger thaï, donc c'est le seul truc un peu thaï qu'il y a dans le coin. Ouais, on a de nouveau déposé notre linge là au bout de la rue. Et pour pouvoir le récupérer demain avant de changer de lieu. Et donc, mais je crois qu'elle n'est pas là. Par contre, elle a des œufs et tout ça. Voilà la cuisine. Il y a des trucs qui cuisent, non? Ouais, là-dedans, je sais pas. Bon, voilà. Bon, on attend qu'elle arrive et puis on va voir ce qu'elle propose. D'accord. Ça va, toi, Mel? Ah, bah super. Première fois que je te demande. Hein. Ah, oui, c'est vrai, d'habitude, tu me demandais plus souvent. Je suis un peu déçue quand même. Hein. Ah, là, voilà, c'est bon. Donc, voilà, on n'a pas de menu, on a ça. Et puis, on a une petite mamie qui parle thaï. Voilà. Et on a un ventilo. Ce qui est pas mal. Bon, on ne sait pas trop ce qu'on va manger, mais on a dit. On sait pas le prix. On a demandé du poulet. Voilà, on sait que poulet, ça se dit caille. Puis voilà, donc attends, je vous retourne. Fait, attends, j'arrive. Un petit poulet, j'arrive. Je sais pas comment. Voilà. Poulet, donc poulet c'est caille. Ouais, mais elle, donc, elle est motivée. Franchement, ouais. Elle va nous faire un truc sympa. On sent ça. Qu'elle parle vraiment pas anglais. La soupe avec les crevettes et tout. Ouais. Et je demande s'il y a du poulet dedans. Et en fait, elle prend de son une espèce de gros là-bas, bloc. La grosse glacière là-bas. La grosse glacière. Ouais. Elle sort une crevette. Elle sort une petite crevette comme ça. Voilà. Il y a un poulet, il y a moins de risque. Ouais, ouais, poulet. Même si on a l'estomac quand même solide, on fait attention. Oui, dans tous les cas, quoi. Bon, bah, on vous montre ce que ça donne dans des petits bouillis comme ça. Why you upset like Cinderella teens? You should see the things I finish inside these denim jeans. Et voilà, 3 minutes plus tard. Trop rapide, schlac schlac boum, plaf, pouf. En 2 secondes, regardez, hop là, ça un peu de poulet, un œuf. Le nom, c'est du caille avec du caille. Voilà, hop là. C'est ça, avec un petit top et du ça marche pas la chaise. Bah tu goûtes. Attends. Super cuillère. Après, il y a des chances que ça soit épicé quand même. Hein. Je sais pas. Souvent c'est assez épicé. Ah, il manque du Maggi, hein, c'est dommage. Est-ce que ça pique pas? Allez, demandez. Ça pique. Ah si, ça envoie. Ah bah elle fait comme normal, hein. Vous avez vu, elle balance les sauces et tout, hein, ça rigole pas. Regarde le concombre pour après parce que... Ouais, pour la fin. Non mais en vrai, c'est bon. Mais c'est super bon en fait. C'est vraiment super bon. Et tout, mais vraiment, c'est super ouais, bon quoi. Regardez. Ça n'a plus que... Non. Si, regarde. Non, il n'y en a pas. Allez, bon, bon appétit. Franchement, c'est excellent. Bon, par contre,
Il faut s'attendre à partager la table. C'est ça. Parce qu'il y a trois tailles qui viennent d'arriver et du coup, bah, on a essayé de la place. Il n'y a qu'une table. Il n'y a qu'une table, donc du coup, tout le monde mange ensemble. Ouais. On ne se comprend pas, mais c'est pas grave. Oui, c'est ça. Le plus important, c'est d'apprécier l'instant. Ouais, et puis, franchement, bon, après, faut manger. Faut aimer épicé. Nous, on aime ça, ça ne nous dérange pas. Ouais. Je pense que si vous les dites non épicé. Épicé et piquant. Là, c'est épicé et piquant. Tu vois, c'est les deux. Bataille. Ouais. Mais franchement, top. Alors nous on aime bien le piment, mais là c'est l'assiette de la dame en face et elle a rajouté, du piment. Ça paraît bon. Ça paraît très bon. Bon appétit. Thank you. Ça va Mel, tu t'es fait des copines? C'est bien chez moi. Alors c'est comment? J'adore, c'est délicieux. On connaît pas les prix par contre. Hein. Ça pique mais c'est très bon, on vous dit le prix après. Ouais. Et voilà, franchement, simple, efficace. Vous voulez savoir le prix? 140 bahts pour deux. C'est pas mal. Donc c'est 70 bahts le plat. Ça franchement, clairement, hein. Bon, en même temps, c'est d'office, hein. D'office. Très très bon, je très me suis bon. Régalé. Pareil. Donc là, ça va être l'heure la plus chaude, elle est 13h24. On va en profiter pour travailler. Et on sortira donc fin de journée. Ouais, on vous reprend fin de journée. Pour notre fameuse croisière. Ouais. Et ben voilà, on a trouvé notre petit restaurant. On va manger à ce restaurant qui s'appelle Pantari Restaurant. Donc on va tester, les prix sont raisonnables. Donc voilà, moi je vais certainement prendre un garlic pepper et je vais voir. Bon bah ben je vous dis à tout de suite pour le plat. Et ben voilà, on va partir. Ne bouge pas s'il te plaît, Doudou. On va partir sur ce plat. Un stir fry shiny white pepper and garlic. Alors là, mon anglais, moi, il est pas bon du tout. Hein. J'apprends. Alors, vous moquez pas de moi, hein. S'il vous plaît. Merci. Bon, bah, ben, vous verrez en vrai ce que ça donne. Bon, bah, ben, voilà, c'est écrit. On l'a eu après une demi-heure d'attente. Le petit plat. Donc, qu'est-ce que tu as pris, Christian? C'est du crabe. Non, il y a les crevettes. Crabe au garlic pepper. Voilà. Avec du riz. Et le prix? 120. 120, le riz? 20. Et 10, on sert en bâtin. Et 10 bahts, voilà. Et bien pour moi, ce serait exactement la même chose que Christian. Du crabe au garlic pepper avec des petits cocons quoi. Et du riz. Voilà. Bon appétit. Et nous revoilà, fin de journée. Ouais, il fait meilleur. Alors, la croisière, le bateau part à 20h, mais on nous a dit d'y aller à 19h. Par contre, il faut y aller par vos propres moyens. Voilà, vous rajoutez le taxi, quoi. Quand vous réservez l'excursion croisière-bateau, c'est uniquement que le bateau avec la bouffe. Ouais. Donc nous, on a réservé le Royal Galaxy Cruise. Ouais, vous pouvez aller voir sur Internet en tapant Royal Galaxy Cruise. Et vous verrez, le bateau a l'air sympa. J'espère qu'on va avoir celui-là. Ouais, bah, parce que des fois, tu réserves et... Au lieu d'aller voir sur internet, allez voir dans notre continuez à regarder les vidéos. Vous verrez le bateau comme ça. Il faut se rendre donc à Asiatic The Riverfront et Pier numéro 1. Voilà. Port numéro 1, donc on verra. Ça, on peut pas le mettre dans le grab. Toi, c'est bien écrire 7, Ben, pas 7h30. Ouais. Mais après, il m'avait dit 7h20. Donc nous on a réservé à notre hôtel le dernier, le Samala. On a un peu négocié les tarifs parce que ils nous proposent un autre bateau qui est un petit peu plus cheap. Mm-hmm. On a voulu un truc un peu plus sympa. Donc c'est 1400. 2400. 2400 par personne. 2400 par personne. 8, je sais pas, c'est marqué dessus. 5006 divisé par 2, ça fait 2008. 1400 par personne. C'était que 1400 par personne. Ah oui, 1400, pardon, oui. Oui, ce qui fait, oui, vous verrez, ça fait environ 35 euros, je crois. Ouais, bon, on le note de toute façon là, quelque part. Sachant que les prix de départ étaient plus hauts, on a négocié pour avoir le prix là. Après, on a regardé sur le site internet, ça collait quasiment, c'était 1350, mais là, on avait la sécurité de savoir, de pouvoir venir le revoir en lui disant, bah ouais, mais ça collait pas là. Alors que sur internet, bah on sait jamais trop. Voilà. On y va en taxi, on a pris le Grab. Alors là, ça coûte plus cher, c'est parce qu'il y a plus de circulation et c'est plus long. Ouais. 330 bahts pour le transport en taxi. Qui fait combien de temps? 45 minutes de taxi environ. Ouais, et 10 minutes pour qu'il arrive. Et bon, d'ailleurs, il va arriver. Ouais.
quand ça met ça, c'est qu'il est pas loin. Et puis bah voilà. Et en termes de nourriture sur le bateau, en fait, c'est un buffet à volonté, voilà. J'ai trop hâte, ça va durer 2 heures, de 20h à 22h. Et on se balade sur toute la rivière. Oui. Les parents, ça va, vous êtes prêts pour la croisière? Oh, moi je suis à fond et très contente. Hein. Ouais. Ça va être trop, trop cool. Christian, content? Très content. Cool. Bon bah c'est parti, on attend notre taxi et puis let's go. Bon, on a encore un super taxi. Hein. Franchement, carton. C'est un Toyota, un gros 4x4 pick-up. On a bien de la place, c'est vraiment agréable. T'as la solution pour avoir des voitures comme ça? Ouais, faut mettre le Grab, simple. Just Grab, vous avez... Qu'est-ce qui se passe là? Stabilisation qui marche pas bien. L'appareil photo, il rame. Bon bah, on vous retrouve sur le port. Et voilà, bien arrivé après une heure de route, il est 7h30. Ici, c'est Walt Disney, quoi. Le parc du monde. Regardez, vous avez la grande roue. Faut qu'on trouve maintenant le port numéro 1. Il est 7h30, on va pas tarder, on va y aller. Ouais, donc là, on se dirige vers le bateau. Enfin, on essaye le plus vite possible pour avoir les meilleures places possibles. C'est parti. Ah ouais, c'est le bazar là-dedans. Il y a des bars et tout. Bon, allez, on vous montre tout ça. C'est un carnage. Il y a un de ces mondes. Donc il y a et le parc d'attractions et les bateaux. Il y en a plein des bateaux. Oui, c'est énorme, c'est vraiment énorme. Donc, il y a un monde. Ouais, un il nous monde. A dit de venir à 7h30. Et donc on est là, mais elle est demandée, c'est 8h. On monte sur le bateau à 8h, voilà, a priori. C'est ça. Bon, on va voir. A priori, c'est ici. Ça va, les parents? Ça va bien, c'est impressionnant. Regarde Galaxy. Ça va. Bien repris. Bon, il y a un gars qui passe avec le panneau Royal Galaxy, donc on va le suivre. Presque à l'heure. Il est 8h12. Voilà, 10 minutes. Et les bateaux, ça s'enchaîne. Le bateau, il est magnifique. C'est ouais, c'est vraiment superbe. Vraiment grandiose. Bon, allez, c'est parti. On essaye d'avoir une place en haut. Santé. Santé. Le petit verre de bienvenue. Et tout le monde va au buffet indirect. Il y a un groupe, une chanteuse et tout. Le buffet, il est dingue. Le buffet, il est dingue. Au fur et à mesure, ça n'y aura jamais assez. Hein. Allez, moi je vais d'abord. Au centre, c'est là-bas. Ouais. Par contre, la rive, les gens ils y vont, ils courent. Bah, de ouf, pas. Les gens ils sont à. Enfin, ça va, ils vont remettre. Pris, des petits sushis pour commencer. Bon appétit. Et la boisson est en supplément. Par exemple, une cruche comme ça. On se croirait à la cantine, mais avec une cruche de Chang. C'est 400 la cruche. Le coca est à 70. Inconsignable, le centre commercial qu'on a. Ouais. Mais c'est qualité, hein. Vous sentez que c'est vraiment de qualité. Tout, hein. Tout, c'est regardez. Pas cheap, hein. Vraiment au niveau de l'alimentation, et encore j'ai pas tout filmé, en bas il y a des crustacés et tout ça. Ah ouais? Ah ouais, t'as les crevettes en bas et tout. Ah bah jam, ouais, on va y aller. Chacun son tour. Tu descends là. Bon appétit!
étape. Très bien. Bon, les desserts, toujours pas leur fort. Hein. J'ai pas goûté les desserts encore. Ah, non, c'est pas. Mais c'est pas grave. Et puis là, il y a les danseuses traditionnelles. Ne vous inquiétez pas, les gens se sautent dessus, mais ils recherchent au fur et à mesure. Vous n'allez pas mourir de faim. C'est clair. Oh, la musique, elle est super forte. Je vous montre les danseuses tradies. Non, bah, elle a eu peur quand j'ai dit ça. Et voilà, on est mais de retour à Bonfort. Quelle ambiance ! Et elle a réussi à ambiancer les gens en 2 heures. Quoi. Magnifique. Et pendant 1 heure, ils ont mangé. La musique très bien choisie. Ouais. J'ai adoré. Tu peux danser, tu t'amuses. C'est marrant. C'est très bien. Vraiment, tout était parfait. Moi, je recommande, mais genre à 100% cette compagnie. Clairement, ça vaut le détour. Quoi. Ça vaut vraiment le détour. Ouais, je suis d'accord. Certes, c'est un prix. Puis c'est un truc avec un peu masse de touristes, forcément. Mais, mais c'était incroyable l'expérience. Ouais, c'était ça, vraiment. Donc, ça a vraiment duré 2 heures. Pile. Là, on va. On descend, on est arrivé, regardez. Et on est revenu au Asiatique. Ouais, c'est ça, Asiatique. Alors, on cherche un grab et on rentre à l'hôtel. Allez, c'est parti. Bon, ça va, c'était cool. C'est même trop bien. Franchement, une bonne soirée, on s'est bien amusé. C'est bien. Et bien mangé, surtout aussi. Christian, t'as bien aimé? Oui. On recommence? Ça vaut le coup. On refait un deuxième tour. Ah ouais, j'ai adoré. Jusqu'à 3h du matin, 14h encore. Et là, je danse. Hein. C'était vous approchez pas trop, après vous sortez du cadre. D'accord. C'est bon. Petit buffet à volonté, mais alors super. Ambiance. À conseiller, il faut le faire. Hein. Rien à dire. Mais vraiment à conseiller, il faut parfait. Le faire. Et voilà, on est dans le taxi. Oh ben là, tu veux que je baisse un peu ? Regarde, comme ça. Merci. Nous voici dans le taxi de retour. On a donc trouvé, on a pris un grab, on n'a pas réussi à négocier avec un taxi. Non, c'était 600 qui demandait, et là, grab, c'est 330. Hein. Voilà, il y a une sacrée différence quand même, on divise par deux. Hein. Ah, mais c'est les lieux un peu touristiques, ils essayent quoi. Je pense que cette vidéo est bien assez longue encore une fois. On est désolé. D'ailleurs, dites-le nous en commentaire si ça vous plaît d'avoir des vidéos comme ça longues ou vous préférez avoir des vidéos des encore plus longues. Plus ou plus court. Voilà. Plus court, ça va être dur à faire, mais on peut essayer. On peut essayer de réduire un peu. Mais ça va être très très dur. En tout cas, c'était un plaisir de vous faire cette vidéo. On espère vraiment qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un max de petits pouces. Ça fait toujours merci, plaisir et ça booste l'algorithme. Deux pouces même. Ouais. Merci de nous avoir regardés parce que c'est quand même pas évident. Hein. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Ouais, un voilà. Petit commentaire également. Ça fait toujours plaisir et puis soyez heureux. On se retrouve tout bientôt pour de nouvelles. Ouais, soyez heureux, ça fait toujours plaisir. Pour notre dernière journée demain, non pas demain pour vous, mais pour nous demain, à Bangkok. Bye salut bye, les loulous.